peux le garantir, bien sûr qu'ils ont envie d'aller à cette Coupe du Monde. Et bon, les précisions des échanges et les réactions qu'il y a eu derrière, bon, c'est pas le lieu pour en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressent très largement que c'est un événement particulier, et donc évidemment, il fallait des mesures particulières. Ils ont tous envie d'aller à cette Coupe du Monde, plus qu'envie. Envie, ça suffit pas. Il faut vraiment... voilà, je vous ai dit, c'est pas les deux matchs les plus importants seulement pour moi dans une carrière, parce que c'est l'égoïsme à la limite de penser à ça, mais c'est aussi pour eux. Aussi pour eux, ils ont conscience que pour certains, c'est peut-être la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. Pour d'autres, les plus jeunes, ben, se dire que peut-être ils ne retrouveront pas un collectif ou une génération de joueurs, on ne sait jamais, on n'est pas habitué régulièrement à jouer des Coupes du Monde. Bon, donc il y a des probabilités qui font que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité d'en jouer. Moi, je leur souhaite d'en jouer plusieurs. Voilà, c'est pas une certitude. Donc, il faut profiter de cet instant, il faut profiter de cette équipe. Elle a envie en plus de se racheter. Vraiment, c'est vraiment ça ce qui nous anime. On sait qu'on a envie d'être à cette Coupe du Monde. On veut être là. On veut que pendant les 7-8 mois qui vont succéder, après le 29 mars, on veut être dans une préparation tranquille, dans une euphorie ou gagnes. Participe à ça, jouer des matchs de qualité de préparation à Nafelbled ou peut-être même ailleurs, et se préparer à ce bel événement qui est l'événement par excellence, qui est la Coupe du Monde. Donc, ils ont conscience de ça. Ils ont conscience. C'est déjà une première des choses. Et je sais qu'ils ont vraiment, ils ont la détermination pour. Moi, je suis pas surpris à la Koulihal. Je vous ai dit, on peut pas s'arrêter juste sur les derniers événements. Ça fait 4 ans que je suis avec eux. Ça serait injuste de les juger sur 3 matchs, sur les 3 derniers matchs. Et encore, je suis rentré en détail parce que bon, vous retenez le résultat. Moi, je retiens autre chose. Pas que ça. Donc, sur tout ce temps qu'on a pu faire, j'ai toujours apprécié leur envie, leur détermination, l'amour qu'ils ont pour l'équipe nationale, à chaque fois de retrouver Sidi Moussa et de jouer nos matchs. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus prononcé, deux choses, parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, et parce qu'ils ont un sentiment d'avoir échoué il n'y a pas si longtemps que ça, et de se racheter, ou de la plus belle manière à Tchaker, Goudem Bledna, Fi Bledna, Goudem Chabna. Donc on ne voit pas une autre issue que cette qualification. Je sais qu'ils sont prêts pour ça, et que voilà, demain ça commence. Et qu'on va tout de suite se mettre au boulot, quoi. Mais ça fait 2 mois, je vous ai dit, qu'on est au travail. Ciao.